Mes chers amis, j'ai quelque chose à vous dire. Nous avons des révélations à vous dire. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Ah, quand même. En tant que responsable de cette communauté, je suis votre prêtre, votre guide spirituel. Je dois vous informer que 2012 arrive bientôt. Il faut que nous soyons prêts et dans ce lieu plein d'énergie positive, nous sommes en sécurité. Le 21 décembre 2012, à minuit, ce ne sera pas la fin du monde, rassurez-vous. Comme nos frères mayas, descendants des Atlantes, nous le laissent croire. Mais la fin d'un cycle de 26 000 ans, nous allons passer dans l'ère du Verseau. Et après 13 000 ans de domination masculine, nous allons vers 13 000 ans de règne féminin sur cette terre. Une ère de sérénité, une ère de sérénité, d'amour, de paix, de bien-être. Si, je vous le dis, mes frères, mes sœurs, je vous le dis, c'est la parole que vous devez écouter et envoyer à tout le monde entier. Je vous annonce ceci aujourd'hui, journée de la femme. Mes sœurs, mes frères, préparons-nous. Préparez-vous pour ce changement et passons le message au reste du monde pour que la paix et l'amour règnent sur notre planète. Nous savons aussi qu'il y a une base extraterrestre sous cette montagne. Et le jour venu, d'ailleurs, et le jour venu, donc, des êtres venus d'ailleurs surgiront de ces entrailles pour mettre en place tout ceci. Je terminerai en vous disant, pratiquez l'amour, pas la guerre ni la violence. Longue vie aux femmes pour diriger le monde. Butez ! Oh là là.
c'est pas possible ça. On enlève le gland du bambino. Comment je t'y vas, Dolly? Vas-y, je tiens, je te Et les sonnettes à péter, mesdames. Alors, de mieux en mieux. C'est le petit Michel, hein? C'est en avance, mais c'est les femmes. C'était prévu en 2012, c'est le 8 mars 2011. Le journée de la femme en plus. Voilà. Au revoir. À bientôt. Dans 13 000 ans, je reviens.